Il y a un tracteur à la ferme du Pré Charmant qui adore travailler et jouer. Quand Flore la fermière a un souci ou quelque chose à faire, sur Tracteur Tom elle peut compter. C'est Tracteur Tom, 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 Tom. C'est Tracteur Tom qu'on aime tous. Oui c'est toi Tom, 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 ouah, qui nous rend la vie bien plus douce. Le temps de la moisson est venu à la ferme du Pré Charmant et Jules, la moissonneuse-batteuse, travaille d'arrache-pied dans le champ de blé. Ma remorque est pleine. Merci. Tu as bien travaillé, Jules. Tu peux faire une petite pause si tu veux. Oh oui, je suis épuisé. Oh là là, vous entendez? On dirait qu'il va pleuvoir. Oui, ça se rapproche. Et nous avons encore beaucoup de blé à rentrer dans la grange. Je vais appeler Max pour qu'il vienne nous aider avec Greg. Bonne idée, Flore. Salut, Flore. Il vous faut de l'aide? Compris, on arrive. Greg, le devoir nous appelle. Mais je ne peux pas partir comme ça, je suis tout dégoûtant. Je sais, mais tu prendras ta douche plus tard. Pour le moment, Flore a besoin de nous. De toute façon, ce serait ridicule de te laver maintenant, avec l'orage qui se prépare. Tu entends le tonnerre? Ça vient vers nous. Et s'il y a une chose que les moutons détestent, c'est bien le tonnerre. Nous voilà, que veux-tu que nous fassions, Flore ? Nous devons rentrer tout le blé dans la grange avant qu'il ne pleuve. Est-ce que Greg pourra aider Tom? Bien sûr. Allons-y, chargeons-le. On fait la course, Tom? La course? Le premier arrivé à la grange a gagné. C'est parti! Oh! Oh! Que se passe-t-il? Un mouton est coincé dans la haie. Oui, et un autre dans la barrière. Regarde, un troisième est dans l'arbre. Il y en a partout. Ils ont dû être effrayés par les coups de tonnerre. Sûrement, oui. On ferait bien de les rassembler. Au travail, Riff. Où est Tom? Je ne le vois même plus. Je suis sûr que j'ai le temps de me laver avant qu'il ne me rattrape. Hey, arrête, Caramel! Oh! Et ça te fait rire en plus! Tu vas voir! Attends que je t'attrape! Arrête-toi! Viens ici! Et la course? Je l'ai oubliée! C'est pas juste, oh.
Ne t'énerve pas, Greg, ce n'est pas grave. Tu sais que c'est la première fois que je gagne une course. Déjà que je suis tout sale et que je n'arrive pas à me laver. Et maintenant, voilà que j'arrive deuxième à une course. C'est vraiment une très mauvaise journée pour moi. Je me demande où est passée cette brebis. Ouais. La voilà. Vas-y, Riff. Par ici, Max. Alors, où est-elle passée? Là-bas, dans le coin du champ. Mais comment... a-t-elle... Enfin, je veux dire... Oh, et puis, tant pis, allons chercher les autres. Pour qui elle se prend, celle-là? Une hirondelle? Ne t'en fais pas, je vais la chercher. Ah non, ah c'est malin. Les moutons, avec eux il n'y a que des problèmes. Bon, bravo Riff, merci Max. Nous les avons presque tous rassemblés finalement. Il ne nous en reste plus qu'un à trouver. Comment le faire descendre de Maud sans qu'il se blesse? Enfantin. Assise, Maud. Assise. Et voilà, quand on sait parler aux animaux. Ça y est. Cette fois, Flore, Max et Riff ont réussi à rassembler tout le troupeau. Et laissant Riff s'en occuper, Flore et Max retournent au champ de blé continuer la moisson. Flore, Max, j'ai un autre chargement de grains prêt à partir. Mais je n'ai aucune nouvelle, ni de Tom, ni de Greg. Qu'est-ce qu'ils fabriquent? Ils devraient déjà être revenus. Pourvu que personne ne me voie dans cet état, je n'ai jamais été aussi couvert de boue. Oh. Mais alors que Riff reconduit les moutons dans leur pré, il se met à pleuvoir. Oh non! La pluie maintenant! Je vais dégouliner de partout! Pauvre Greg, que pourrais-je faire pour l'aider? Oh, Riff avec les moutons? Je crois que ça me donne une idée. Riff, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi et de tes moutons. Allez-y. Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent? Laissez-moi passer. Oh, oui, j'ai compris. Ah, génial! Ça a marché, Riff. Et c'est grâce à toi. On a de la chance, Flore. Ce n'était qu'une averse. Mais on ferait quand même bien de se dépêcher de mettre tout ce blé à l'abri. Mais que font Greg et Tom? Ah, enfin, les voilà! Oh, tu es comme neuf, Greg! Qui t'a nettoyé? Oh, ce sont des moutons! Quoi, des moutons? Mais comment ont-ils fait? C'est une longue histoire. Tu as raison, on a du travail. Tu me le diras plus tard. Et voilà, c'est chargé! En route, vous deux! Alors, Greg, prêt pour une autre course? Faites ce que vous voulez, mais n'oubliez pas, l'important c'est que ce blé arrive à la maison sec et entier. Tu es prêt? Partez!
Qu'y a-t-il, Greg? Je laisse un peu d'avance à Tom. Tu laisses Tom partir devant? Alors là, chapeau. Max, c'est grâce à Tom si je suis tout propre. Alors je peux bien le laisser gagner. Profites-en, tu auras peut-être moins de chance la prochaine fois. C'est Tracteur Tom, Tom, Tom.